contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire l'unboxing de la nouvelle collection de Noël de Alouacide. Cette collection, elle s'appelle Mazapan. Ce sont des coloris pas communs, des coloris pas du tout conventionnels, pas du tout classiques et qu'on trouve à Noël. Mais vous allez voir, c'est une collection superbe. Elle est vraiment sublime, super douce, super élégante. Donc, je vais commencer pour vous montrer les papiers. Et ensuite, je vais vous montrer tous les compléments qui viennent avec cette collection. Donc, je vais commencer par le grand bloc de papier. Donc, comme d'habitude, nous avons un bloc de papier, des 12 papiers imprimés des deux côtés. Et 24 papiers imprimés d'un seul côté. Vous avez vu, les coloris sont vraiment superbes. Vraiment, je suis en amour, comme d'habitude. Voilà, donc voici cet bloc de papier. Ensuite, comme vous avez vu dans la présentation, nous avons aussi le petit bloc, qui c'est exactement le même papier de cette collection. Donc, il y en a 30 papiers de 190 grammes imprimés d'un seul côté. Sauf que les imprimés sont plus petits. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a les 24 papiers de la collection et puis nous avons 6 papiers solides. Voilà. Et puis les dessins, ils sont beaucoup plus petits. Voilà pour celui-là. Ensuite, nous avons dans cette collection les papiers basiques. Donc, les papiers basiques de cette collection, c'est un bloc de papier, des tranches de papier aussi. Donc, ce sont des imprimés plus basiques, mais qui peuvent être utilisés aussi très très bien pour faire un album entier tout seul, rien qu'avec ces blocs-là. Donc par exemple, vous pouvez aussi utiliser ces blocs avec les tampons de la collection ou avec des autres tampons et le résultat sera parfait aussi. Donc ici, dans cette bloc, nous avons 6 papiers imprimés des deux côtés de 220 grammes et puis 30 papiers imprimés d'un seul côté. Donc voici.
Donc voilà, donc vous avez compris, il y a ces coloris-là, d'accord? Et puis nous avons 5 dessins différents dans chacun des coloris de la collection. Donc il y a 6 couleurs, donc il y a 30 papiers différents. Donc c'est un bloc de papier à avoir seulement dans son placard. Parce qu'il peut vous servir pour plusieurs collections. Donc voilà pour ce bloc que j'adore. Et puis nous avons bien sûr des papiers spéciaux pour cette collection. Comme vous le savez, Magno Alou elle fait des kits de papiers spéciaux. Et dans le kit, vous allez trouver 6 papiers spéciaux. Donc 6 et 3 acétate et 3 bellum au papier calque, comme vous voulez l'appeler. Donc, nous avons, comme je viens de vous dire, 3 acétate que je vais vous montrer sur ces papiers-là. Ça vous le verrez mieux. Donc, nous avons celui-ci, que ça devient un classique, cet imprimé. Très beau. Ensuite, nous avons celui-ci qui c'est très très basique avec des petits points. Celui-ci avec les flocons, flocons, étoiles. Voilà. Et ensuite, nous avons les belles. Alors, attendez. Séparer ça. Donc pour les vélones, nous avons ici en premier avec des petits chevrons, donc des zigzags comme ça, un rose saumon. Ensuite, nous avons celui-ci des petits points avec le fond bleu, bleu vert là, qui est superbe cette couleur-là. Et ensuite, nous avons celui-ci qui reprend les coloris de la collection dans des motifs des pois, cœurs, étoiles et flocons. Et les coloris sont un petit peu plus soutenus. Donc j'aime beaucoup. C'est mon préféré. Bon, c'est mon préféré. Tout est mon préféré, de toute façon. Parce qu'ils sont tellement jolis ces papiers que voilà, c'est difficile de choisir. Donc, on y va, on continue, parce qu'il y en a beaucoup de produits. Donc, on continue et je vais vous montrer maintenant les compléments décoratifs. Donc, nous avons pour commencer les die-cuts de la collection. Donc, je vous le montre ici. Donc, j'espère que vous voyez bien. Et je vais vous montrer quelques-uns, mais je ne vais pas tout sortir parce que... Si vous voulez voir plus les détails, allez-y mon compte Instagram où j'ai laissé montrer un détail. Donc je vais vous montrer. Donc il y a des illustrations, il y a des petites étiquettes rondes, il y a ces choses tellement mignonnes là. Alors sont vraiment superbes ces deux-là. Ces bonhommes pain d'épices. J'adore. J'adore. C'est des mes illustrations préférées. Ils sont vraiment très jolis. Ensuite, vous avez des étoiles, des tasses pour le chocolat. Et puis, comme d'habitude, nous avons les jolies poupées que je les trouve superbes. Voilà. Voilà, ça c'est un exemple de tous les die-cuts parce qu'il y en a 46 pièces. Donc voilà. Franchement, c'est une collection magnifique. Donc voilà pour les die-cuts. Ensuite, nous avons des breloques, les petits breloques. Je crois que ça se dit comme ça, non? Breloques.
Comme ça, nous avons les illustrations de la collection. Donc, nous avons un cœur, quatre poupées différentes, une étoile, une tasse et un fond carreau. Donc, très joli. Et ensuite, nous avons les énamels de la collection. Nous avons des dots, des étoiles et des cœurs dans les coloris de la collection. Superbe. Ah, j'adore. Ensuite, nous avons des alphabets un peu fines. Alors, je vous explique une petite chose. C'est que ces alphabets, en réalité, ne sont pas de cette collection, mais ce sont des basiques qu'on va trouver chez Rita Rita, mais qu'elle a fait avec les coloris qui vont avec cette collection. Donc, ils vont sortir en même temps, aujourd'hui même, parce que je crois que je ne vous ai pas dit qu'ils sortent aujourd'hui même. Et donc, voilà, je les adore. Ils sont pas très grands, pas trop petits. Je trouve la taille très correcte. Et les lettres, il y a un jeu de lettres entre majuscules, minuscules, plus épaisses et plus fines que j'adore. J'aime beaucoup. Donc, nous l'avons en rose saumon, en couleur pêche, en rose bébé, en rose un petit peu plus soutenu, rose un petit peu fuchsia. Ensuite, nous avons en ces bleus verts un petit peu gris, un noir et un blanc. Donc, voilà. Ils vont aller très très bien avec ces collections. Ensuite, nous avons des étiquettes autocollantes. Par contre, là, les étiquettes sont vraiment qu'en espagnol. Bon, je n'ai pas tout lu, mais elles sont, oui, c'est en espagnol. Et nous avons une étiquette avec les mots en espagnol et après une planche d'étiquette sans rien pour venir tamponner des petits messages si on veut. Donc, c'est les mêmes coloris, vous voyez. Mais ici, nous n'avons rien et on peut utiliser les tampons pour venir tamponner des petits messages de Noël, par exemple. Donc, voilà pour les étiquettes autocollantes. Et là, maintenant, je vais vous montrer les tampons de la collection. Donc, pour les tampons de la collection, nous avons celui-ci. Très joli. Donc, superbe. Les détails sont magnifiques. Très joli. Ensuite, nous avons celui-ci. Très joli aussi. Nous avons celui-ci. Alors, pour faire les cartes de Noël, sont superbes pour faire les étiquettes des cadeaux aussi. Donc, celui-ci, c'est un de mes préférés, très joli. Celui-ci. Cet autre-là. Et pour finir, celui-ci, que c'est aussi un de mes préférés. Donc voilà, alors je le trouve super. Là, j'adore. J'adore. Mais, comme d'habitude, moi j'adore tout. Vous savez que moi, je me sens à l'aise dans presque tout. Et moi, je peux travailler n'importe quelle collection. Donc, voilà. En tout cas, je pense. Donc, on continue. Et j'avais oublié celui-ci, que c'est le tampon de fond de la collection. Donc, ce sont les petits flocons ou étoiles
comme ça, qui est très beau pour faire les cartes. Il est parfait. Donc voilà pour le tampon de la collection. Allez, on continue parce qu'il en reste encore. Donc voilà. Ensuite, nous passons au dice de la collection. Donc voici le premier. Donc c'est celui-ci, des petits médaillons comme ça. Avec le bensin, le sapin, le cadeau, la petite étoile. Donc ils sont petits, hein. Il doit mesurer, je sais voir, il mesure à peu près, quand on fait la découpe, 2,5 cm, donc 1 pouce de largeur, de diamètre. Et ce qui est bien, c'est qu'on pourrait les utiliser pour faire des mini shakers en utilisant perforatrices. Yes, j'ai trouvé. En utilisant des perforatrices comme celle-ci, vous pouvez découper la forme ronde de la même taille si vous l'avez, ou avec un autre dice, et faire la partie arrière, et ensuite faire plusieurs fois celui-ci, mettre un acétate dans la dernière, et faire un mini shake. Donc voilà. Ensuite, nous avons des petits cœurs. Comme ça, très joli. Nous avons celle-ci, c'est une boule de Noël beaucoup plus grosse et pas très ronde. Elle est un petit peu écrasée, mais elle est très jolie. Et celle-ci, elle vient déjà prête pour faire une shake. Très jolie. Je la trouve superbe. Celle-ci, très jolie. Ensuite, nous avons les petites étoiles qui viennent aussi pour faire des shakes. Donc voici, vous pouvez faire des shakes, mais vous pouvez aussi les faire embosser, parce qu'il y en a qui sont ici embossés, ici avec des petits points, ici avec des encadrillages, donc très joli. Voilà, et pour finir, nous avons deux dice phrases qui sont aussi en espagnol. Je suis désolée, mais elle n'a pas fait en français. Donc, en famille, siempre. En famille, siempre. Donc, en famille, toujours. D'accord. Et puis, Feliz Navidad. Joyeux Noël. Donc, voilà. Donc, voilà pour les dice de la collection. Donc j'espère que bientôt, quand on aura la boutique française, on aura tous ces produits, tous les dice, toutes ces choses-là en français. Donc voilà. Ensuite, nous avons dans cette collection un pochoir super joli aussi. Donc avec les petites étoiles là, les petites étoiles flocons. Voilà. Très joli aussi. Voilà. Et on continue avec les classeurs d'embossage. Donc, les classeurs d'embossage, comme vous le savez, Alua, elle fait des classeurs d'embossage très grands. Donc, ici, nous avons le classeur avec ces motifs-là. Donc, les classeurs qui mesurent 6 par 8 pouces, 15,2 cm par 20,3 cm. Et ils sont géniaux. En tout cas, moi j'adore parce que je fais les pages avec. Donc, je vous ai fait un exemple ici. Donc, voici. Donc, j'espère que vous voyez. Très beau. Voilà. Et ensuite, nous avons un deuxième. Donc, celui-ci, c'est, il est plus classique avec ces motifs-là.
Donc le motif des petits points dans la même taille comme d'habitude. Très beau. Et ici, je vous ai fait la page entière. Donc voici. Donc c'est une page de la même taille que le bloc. Hein. Ou presque. Donc voilà. En sachant que je crois... Oui, je l'avais coupé légèrement plus petite. Hein, que vous pouvez mettre un petit peu plus large. Donc voilà. Pour les classeurs d'embossage. Et là, on arrive presque à la fin. Nous avons ensuite la petite carte de Papa Noël, que je ne sais pas s'il va être vendu tout seul ou si elle sera un cadeau dans les commandes, parce que des fois, elle la met dans les commandes en cadeau. Et je pense que ça sera ça, cette année aussi. Et je trouve qu'elle est superbe, elle est très jolie. Même si c'est écrit en espagnol, on pourrait l'utiliser très très bien en français. Il suffit de venir mettre une petite étiquette ici et écrire « Cher Père Noël ». Donc, voilà. En plus, elle est imprimée dans du papier et un peu brut recyclé. Et ça donne une touche super élégante et super... original à la lettre. Donc voilà. Et en plus, elle vient avec son petite enveloppe que on pourrait et après coller dans le journal de Noël. Très bien. J'aime beaucoup. Et pour finir, nous avons une grande nouveauté que j'adore. Et c'est que la ligne Rita's Diary de la collection. Donc, c'est-à-dire les cartes des documentations de la collection, il vient dans un bloc comme ceci. Donc, ce bloc, il vient avec plus de 100 cartes pour documenter. Et je crois que le grammage, c'est de 300 grammes, je crois qu'elle nous avait dit, mais je ne suis pas sûre. Mais ce n'est pas écrit non plus dans le bloc. Et vous allez voir, c'est superbe. Donc voici, vous avez à chaque fois deux pages pareilles pour pouvoir les utiliser soit d'un côté, soit de l'autre. Et à chaque fois, vous avez soit deux cartes, deux grandes et deux petites, soit... Non, à chaque fois, c'est comme ça. Donc voilà. J'adore, je trouve que le format il est idéal parce que si vous voulez pas forcément utiliser les cartes, vous pouvez par exemple utiliser ces parties là, vous pouvez ici même l'utiliser comme une page entière, vous voyez. Donc je la trouve très bien, je trouve cet produit génial. Donc voilà pour les produits de la collection. Donc, j'adore cette collection. Parce que là, dernièrement, les collections que fait Alou, elles sont vraiment superbes, elles sont magnifiques. Voilà, j'adore. Et j'aime autant plus que c'est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Voilà.
J'aime, j'aime, j'aime. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, ou grosse vidéo, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des doutes sur les produits, sur n'importe quoi, que vous ayez des doutes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou m'envoyer un petit message. Donc, pour ma part, je vous dis, comme d'habitude, un grand merci. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt. Ciao!